Il est 13h30 à Kinshasa, 1h de plus à Lubumbashi à Paris. Madame, messieurs, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce nouveau journal de la rédaction en direct sur la télévision nationale congolaise. Nous sommes à Kinshasa, la capitale. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal avec le président de la République. La communauté musulmane du monde a célébré hier dimanche la fête des Tabaski, dite fête des moutons. À Kinshasa, cette fête a été commémorée au palais du peuple en présence du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a sur place condamné la discrimination au sein des confessions religieuses. Retour en image avec Pierre Kibambesson. Haïdal Kabir, appelé Tabaski, est considéré par les musulmans comme la plus grande célébration de leur foi. Par cette fête religieuse majeure, les musulmans partagent prières et repas pour commémorer la soumission d'Abraham quand Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, une manière de tester sa foi. Ici, à l'esplanade du Palais du Peuple, ils étaient des milliers ce dimanche 16 juin 2024 pour glorifier Allah, le Dieu créateur. Après la prière, différents représentants de la communauté islamique étaient conviés dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour continuer la fête. Invité de marque, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli chaleureusement par l'assistance. Prenant la parole, le chef de l'État a condamné la division au sein de l'islam RDC et toute autre forme de discrimination. Je voudrais, par cet acte, vous manifester toute l'importance que j'accorde à votre confession. Aujourd'hui, j'ai eu la tristesse d'apprendre par la bouche même de la ministre d'État ici présente que ces divisions sont revenues et elles se sont même encore accentuées. Je vous en prie, je vous en supplie, mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous? Et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente pour vous parler moi-même et obtenir de vous que vous organisiez finalement cette assemblée générale qui va permettre de... Et tant que je serai président de ce pays, je n'accepterai jamais de discrimination dans les confessions religieuses. La communauté islamique a témoigné son soutien au premier citoyen congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car, dit-elle, toute autorité vient de Dieu. Ces musulmans pratiquants ont imploré la grâce de Dieu pour une paix durable à RDC. Autre chose, le vice-gouverneur du Nord Kivu est arrivé à Beniville le week-end. L'évaluation de la situation sécuritaire avec les attaques des ADF, la problématique des transporteurs des Kassindi bloqués par l'Ouganda et la visite des déplacés de guerre était dans son agenda. On l'écoute. Sur demande de la population et sur instruction de son Excellence le gouverneur de province, le général-major Tshilombo Meluba Peter, je suis venu ici dans le nord de notre province, notamment à Béni, et j'irai notamment également à Tshiabou pour, dans un premier temps, me rendre compte de la situation sécuritaire qui prévaut dans la contrée. Vous savez très bien que nous avons eu énormément de problèmes ces derniers temps avec les ADEF et je voudrais bien m'entretenir avec les autorités locales pour voir dans quelle mesure nous pouvons tenir à diminuer ce problème des ADEF et rendre visite également aux déplacés et aux malades qui sont encore dans les hôpitaux. Voilà la raison pour laquelle je suis venu ici à Béni. On reste dans le Nord Kivu. L'eau pose problème dans les camps des déplacés à Goma. Pour soulager cette population, l'ESBEL
a fait pro de Maman Marthe Kassalou Tshisekedi a rendu disponible un camion citerne au camp Lac Vert et Niragongo. Il y a eu également un repas de cœur avec les enfants à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin. Images et commentaires. Des centaines de milliers de déplacés au camp Lac Vert et Niragongo traversent le calvaire de manque d'eau potable. Cette doléance est arrivée à l'oreille de Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, mère biologique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, par le biais du co-donateur de l'association Femmes et Promotion AFEPRO au Grand Kivu, Maître Katembo Bawere. Un camion citerne à Pimpa Neuf de 30 000 litres de capacité vient d'être mis à la disposition des camps de déplacés pour répondre rapidement au manque d'eau potable. Faisant deux pieds deux coups, le coordonnateur de l'AFEPRO au Grand Kivu, Maître Octave Katembouk Bawere, a partagé un repas copieux avec les enfants à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juillet de chaque année. Nous disons merci beaucoup à Maman Marthe qui nous a accompagnés d'un véhicule camion citerne pour la distribution d'eau potable dans différents sites de Buhimba, Mugunga, Kanyaruchinya en faveur des déplacés de guerre. Satisfaction pour les parents de ces enfants qui ont remercié Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, qui ne cesse de se souvenir de personnes en détresse. Que Dieu bénisse Maman Marthe, la mère de notre cher président. Ces programmes de la FEPRO s'inscrivent dans la semaine humanitaire lancée à marge de la journée du 30 juin, journée de l'indépendance, en faveur des déplacés de l'Est de la RDC. Des pas de danse ont agrémenté cette journée. Une façon de déstresser cette catégorie des vulnérables due à la guerre au Nord Kivu. D'une province à l'autre, à Ouvira dans le sud Kivu, les travaux de construction des trois ponts dans la plaine de la Ruzizi évoluent normalement à la satisfaction des usagers de la RN5. Ils remercient le gouvernement central pour ses réalisations. Le reportage est de nos confrères de la RTNC Bukavu. Comment évoluent les travaux de construction des trois ponts financés par les gouvernements centrales à travers le Fonds national d'entretien routier FONER? C'est l'objet d'une mission conjointe Office de route FONER et Bureau technique des contrôles BTC lancée au mois de décembre 2023 pour une durée de 4 mois hors intempéries. Ces travaux évoluent normalement, constate cette délégation. Après la visite guidée par le chef de la 501e brigade, l'ingénieur Kanane, trois réunions des chantiers se sont déroulées sur les chantiers des Bikamba, Sangé et Kakenge, où l'office des routes est en train de couler des bétons. Les constats est satisfaisant, a précisé le chef de mission de contrôle, l'ingénieur Roger Kimpanga Maoridi, chef d'antenne du BTC Sud Kivu, qui a apprécié les travaux de coulage de béton armé, des parois et voiles en respectant les normes de l'art. La mission était dirigée par le directeur provincial de l'office des routes Sud Kivu, l'ingénieur Alain Mugangu, qui a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les ministres d'État en charge de l'infrastructure Alexis Guissaro Mouvouni, ainsi que les deux directeurs généraux, celui de l'office et son homologue du FONER, Pierre Bondoki, pour avoir répondu aux misères des usagers de la route nationale numéro 5. Ce pont à béton armé en construction dans la plaine de la Ruzizi auront une capacité de 45 tonnes avec une durée de vie de plus de 100 ans s'il y a une bonne politique de maintenance. La construction de ces ponts facilitera la fluidité du trafic entre la République démocratique du Congo et le pays de l'Est africain, mais aussi les provinces voisines du Tanganyika et du Maniema. Je vous invite à présent à suivre ces reportages relatifs à la prestation des serments des OPJ du Programme national de l'hygiène aux frontières. Images et commentaires. Huit officiers de police judiciaire du Programme national de l'hygiène aux frontières ont prêté serment ce samedi 15 juin dans la salle Kwame Nkrumah de l'hôtel Beach Palace, situé en face de la chapelle catholique de la Botte. Dans son intervention lors de cette cérémonie, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bukavu, Roland Passi Mulumba Kabwai, a rappelé aux assermentés qu'ils sont des agents d'une police sanitaire. Il leur a également montré qu'ils ont comme mission de rechercher personnellement et activement toutes les infractions liées à leur secteur d'activité et d'assurer
les contrôles sanitaires et la mobilisation des recettes pour le trésor public. Le docteur José Vangou, coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières, a parlé de priorités du programme. Nous avons une mission que l'État congolais nous a donnée, comme nous avons déjà commencé à sensibiliser les opérateurs économiques par rapport aux missions du PNHF, du programme national de l'hygiène aux frontières, qui joue le rôle de police des contrôles sanitaires. A noter que ces 8 OPJ font partie de la première promotion après une formation de renforcement des capacités qu'ils ont reçue du 13 au 15 mars dernier. Les représentants des PFCGL, OIM, OCC, Petits Commerçants, des GERAD, tous partenaires de PNHF et de la société civile, ont participé à cette cérémonie. Une attestation d'habilitation et les procès-verbaux ont été remis à chaque assermenté. Couverture santé universelle, la Croix-Rouge de la RDC compte s'impliquer dans la formation des étudiants en sciences de santé de la Croix-Rouge. Cette disposition était au cœur des assises des 2 jours organisées au siège national de la Croix-Rouge basé à Kinshasa. Reportage. C'est un semestre très déterminant au sein de la Croix-Rouge RDC. Les directeurs généraux des instituts supérieurs des sciences de santé de la Croix-Rouge des différentes provinces du pays se sont réunis autour du comité de direction de cette institution humanitaire pour fixer les nouveaux défis à relever afin d'obtenir le bon fonctionnement. Aussi, pour la formation efficace et efficiente des étudiants de toutes les filières. Les enjeux étant de grande envergure, cela devrait sans doute contribuer à accompagner la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle à travers l'étendue du territoire national. Les espoirs, c'est former les enfants par la pose par compétence, c'est-à-dire développer les compétences des enfants. Ça, c'est un acquis très important. Les difficultés, c'est un problème financier. Il faut avoir des moyens, des matériels pour soutenir cette approche. Le président du conseil d'administration des instituts supérieurs des sciences de santé de la Croix-Rouge est revenu quant à lui sur les défis à relever. Nous devons créer des instituts ici. Les enfants doivent défendre parce qu'ils vont manipuler les corps humains. La raison pour laquelle la Croix-Rouge insiste à la qualité d'enseignement. À en croire le président national de la Croix-Rouge, la vision du comité de direction est d'étendre les instituts supérieurs des sciences de santé dans toutes les provinces de la RDC. Nous cherchons à savoir si ce que nous faisons répond tel que l'enseignement supérieur universitaire l'exige. Le manque de bibliothèques, c'est un problème pour nous. Dans certains instituts, nous avons constaté qu'il lui faut encore faire des efforts pour augmenter le nombre de places pour les étudiants. Signalons que cette première rencontre des établissements d'enseignement de la Croix-Rouge a permis d'une part de déceler les faiblesses et d'autre part de saluer les exploits, de noter les leçons apprises, enfin de formuler des suggestions. Tout ceci a abouti à l'élaboration d'une feuille de route applicable par tous. Vous le savez, nous sommes déjà en pleine saison sèche. Le froid et la poussière sont déjà au rendez-vous. La baisse de la température et l'absence des pluies provoquent des maladies saisonnières à cause de l'humidité. Je vous prie de suivre quelques conseils à travers ce reportage de Nono Masekou. Après les fortes canicules de ces derniers temps, place à un climat frais qui correspond avec les débuts de la saison sèche. Cette saison modifie les attitudes, notamment sur les plans vestimentaires. Cette saison apporte sa cohorte des maladies qui ont un impact sur le système immunitaire. Les personnes du troisième âge et les enfants doivent se couvrir pour se protéger. Je suis habillée en tricot pour me protéger contre la poussière et le froid, enfin, d'éviter la grippe et le rhume. Il faut toujours se couvrir, surtout pendant le soir, genre pendant la nuit. Quand on dort, c'est là que la fraîcheur vient encore plus. Et c'est là qu'on peut attraper des maladies comme la grippe, l'angine, etc. Du coup, il faut toujours se couvrir. Et surtout pour les gens malades, il faut vraiment prendre bien soin d'eux. On se couvre pendant la saison sèche parce qu'il fait très froid. D'abord, je me réveille, je chauffe mon eau chaude, puis je me lave pour ne pas attraper froid. Pour la saison sèche, l'école nous permet de porter les pulls de l'école comme ce pull. Et des fois, il y a des exceptions. Quand tu n'as pas le pull de l'école, tu peux emmener ton propre pull. La température varie entre 35 degrés Celsius la journée et retombe à 22 degrés la nuit. Selon nos prévisions, la tendance sera fraîche et humide.
il y aura aussi la tendance sec parce qu'il n'y aura pas de pluie. Donc, mais l'humidité sera là parce que il y a des couches de la mousson du sud-ouest qui pénètrent maintenant vers les continents. Donc il fera frais pendant cette période, et surtout au mois de juillet où nous allons connaître encore la fraîcheur intense par rapport à actuel. Rhume, grippe, toux et conjonctivite sont fréquents en cette période de saison sèche marquée par la poussière. Quand il y a un changement de saison, il y a aussi des microbes qui vont se manifester. Et souvent, ce sont des virus qui amènent des maladies que nous appelons maladies saisonnières, dues au changement. Et ce que nous craignons plus dans ces maladies-là, ce sont peuvent se compliquer en d'autres pathologies. Surtout chez les enfants, ça peut se compliquer par des angines, des infections, des otites. Parlons tourisme avec le ministre Didier Mpamba qui a visité dernièrement le domaine présidentiel de Lancélé en projection la réhabilitation de ces sites historiques dans le cadre de la promotion de la destination RDC. Cédric Kenina nous en dit un peu plus. Aussitôt installé, il retrousse ses manches et s'attaque aux priorités de son secteur. Didier Pambia, nouveau ministre du tourisme, est déjà à l'œuvre. Les voici sur les sites de Lancélé, domaine présidentiel qui recèle le poids de l'histoire du pays, du moins un pan important de l'ère Mobutu dans sa période de gloire. L'objectif est clair, il faut réhabiliter ces sites historiques pour que ces vestiges ne deviennent un amas des ruines. Ces paillotes présidentielles sous Mobutu exhument bien, pour certains, des souvenirs du léopard et sa toque vissée sur la tête, contemplant la nature d'un pays plus beau qu'avant. Je vois ce site et ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Malgré mon air juvénile, j'ai 58 ans, et plus jeune, je venais ici. Ici, il y avait un cadre féerique, le chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi attend de nous des résultats. Et nous savons que c'est possible, mais que chacun de nous s'implique. C'est très important que nous laissions tomber des mauvaises habitudes. La démarche est de se mettre à l'écoute du personnel abandonné de Lancélé. Prendre note et classer chaque proposition selon l'ordre des priorités dans les actions à poser dans le long, moyen ou encore à court terme. C'est possible de relancer ces domaines touristiques. Et le nouveau patron du tourisme en a bien conscience. Et cela est une réponse aux objectifs fixés par la première ministre, Judith Suminwa, au secteur du tourisme. Rendons-nous dans le Haut-Katanga pour parler de cette cérémonie des remises des bourses aux étudiants. Regardez. 30 étudiants, dont 15 filles de l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, vont désormais bénéficier d'une bourse d'études pendant 3 années académiques durant. Ce geste de l'entreprise CNMC Washin Mabende Mining SA, évalué à près de 45 000 dollars américains l'an, s'inscrit dans le cadre de la réalisation des activités à responsabilité sociétale, cheval de bataille du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie de signature de partenariat entre l'ISP Lubumbashi et l'entreprise à capitaux chinois CNMHK a eu lieu ce samedi 8 juin dans la salle de conférence de l'ISP devant plusieurs dirigeants de l'entreprise CNMHK, les membres du comité de gestion de l'ISP, le corps professoral, ainsi que les étudiants de différentes filières de cette institution. Dans ce mot, M. Chen Chiming PCA de CNMHK a affirmé que cette coopération entre l'ISP et son entreprise va s'étendre sur plusieurs années afin de permettre aux étudiants issus des familles à revenus faibles de finir leurs études et ainsi être engagés dans l'entreprise. Monsieur Chao, DG de CNMHK, a pour sa part indiqué que son entreprise est le pionnier des entreprises du groupe CNMC depuis sa création en 2015 avec plusieurs réalisations d'intérêt communautaire.
Le directeur général de l'ISP Lubumbashi, le professeur Kaswala Nyambi Christophe, a fait appel aux autres investisseurs à emboîter les pas de CNMHK pour le bien de la jeunesse congolaise en général et celle louchoise en particulier. Revenons à Kinshasa, après à l'Assemblée nationale, après la cérémonie des remises reprises, place à la clôture de la session inaugurale et à la poursuite des travaux de la session de mars. Je vous prie de suivre quelques réactions des députés après la clôture de cette session de mars avec Jemima Mongo. Ce qui est sûr, c'est que nous allons dire à notre peuple, nous n'allons pas dire qu'on n'a rien fait. Nous sommes au début du mandat, il fallait une mise à place des institutions de la République, y compris le gouvernement et les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je pense qu'au mois de septembre, il y aura vraiment une production législative. Ma province de la Tchopo n'a pas été oubliée. Pourquoi ? Parce que dans son programme, il y a également le projet d'asphalte de la RN4 qui commence vers la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, en passant par les territoires de Mambasa, les territoires de Bafassende à la Tchopo, jusqu'à arriver à la ville de Kisangani et pour déboucher à la province de Bazouélé. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Avec cette route, je crois que ça va même booster l'économie de la province de la Tchopo. Et comme cette province, la ville de Kisangani, son chef-lieu, a toujours desservi également les provinces sœurs. Pardon, un mot de sport dans ce journal. Clôture de la 58e édition de la Coupe du Congo, ce samedi 15 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte. Quelques autorités ayant pris part à cette finale remportée par l'Est V Club de 1-0 devant Céleste FC ont réagi au micro de nos confrères de la direction des sports. Au terme de la 58e Coupe du Congo de football, rehaussée par la présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, entouré ici par la première ministre, Madame Judith Suminwa-Tuluka, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et tant d'autres membres du gouvernement et des autres institutions du pays. Le plus important, de voir enfin cette finale. Et que aujourd'hui on a Vita Club qui est le meilleur, mais on espère que ça pourra encore remobiliser les autres équipes pour que demain ce tournoi soit de plus en plus au top. Tout nouveau ministre des Sports, Didier Boudimbou, a rehaussé de sa présence la finale de la 58e Coupe du Congo de football au stade de Martyrs le samedi 15 juin 2024. Le président de la République, c'est le premier sportif de la République démocratique du Congo. Il aime le sport, il aime le sport en général, que ce soit le foot, la boxe, le judo. Et je pense qu'il faudra s'habituer à le voir accompagner le sport à travers notre pays. Je suis ministre des Sports et Loisirs. Donc tout ce qui est sport, tout ce qui est loisirs, on va s'appliquer pour faire remonter la côte. Président du CONOR, Dieudonné Sambi a exprimé sa joie pour cette compétition organisée contre vents et marées. Bon, c'est une joie. Lui, le premier sportif congolais, nous a fait cet honneur. Nous ne pouvons que le remercier. Et ça va donner une émulation pour les jeunes. Et ça a donné vraiment au football et développer ce football. Place à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Tshisekedi met la pression sur le gouvernement suminois. Des ministres soumis à une évaluation trimestrielle, rapporte Econews. Le gouvernement suminois, sous la présidence de Félix Tshisekedi, est déterminé à instaurer une stricte discipline en son sein. Lors du premier conseil des ministres qu'il a présidé, le président de la République a énoncé les attentes envers ses ministres, mettant en avant la nécessité d'une évaluation régulière de leur travail. Le chef de l'État a prévenu que les ministres seront soumis à une évaluation trimestrielle avec des sanctions prévues en cas de résultats insatisfaisants. Les conséquences seront tirées au terme de chaque évaluation, a-t-il prévenu.
Guerre à Kanyabayonga, plus de 40 camions de marchandises bloqués sur la route, annonce MediaCongo.net. Plus de 40 camions de marchandises en provenance du territoire de Beni sont bloqués depuis 3 semaines à Kanyabayonga à cause des affrontements entre les rebelles du 1-23 et les FARDC appuyés par la MONUSCO, note le journal. Il est impossible pour ces camionneurs de se rendre à Kiwanja, Goma et d'autres entités de la partie sud de la province du Nord Kivu sous occupation des rebelles du 1-23. Ces chauffeurs supplient les autorités car leurs familles qui les attendent à Kiwanja n'ont plus de moyens de subsistance. Dossier de surfacturation des lampadaires et forages, une instruction judiciaire ouverte contre Nicolas Kazadi, note et journal Mbandaka. L'Assemblée nationale a, dans le dossier de surfacturation des lampadaires et forages, autorisé l'ouverture d'une enquête judiciaire contre le député national et ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et contre l'ancien ministre du Développement Rural, François Roubota, tous deux impliqués dans le même dossier. C'est à l'issue de l'approbation des conclusions de la commission spéciale et temporaire mise en place pour statuer sur la demande du procureur général près la Cour de cassation que cette option a été levée par la Chambre basse du Parlement. Constant Moutamba veut réprimer les pratiques déviantes à caractère sexuel, titre Le Quotidien. À peine arrivé à la tête du ministère de la Justice, Constant Moutamba déclare déjà la guerre contre certaines tares qui minent la société congolaise. Parmi ces dernières figurent en bonne place les actes et autres pratiques déviantes à caractère sexuel. Il s'agit notamment de l'homosexualité, des partouzes qui prennent de plus en plus de l'ampleur dans la société et qui portent lourd de moins atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre familial. Fin de ce journal, nous disons merci aux différentes équipes de la régie qui nous ont accompagnés. Merci à Evelyne Ikulamba et à Nono Masekou qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par Ndengele. Bobete Ngalisamba l'a rédigé. En leur nom, je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Bobo Mokondi Anan à la présentation. Je vous souhaite de passer un bon après-midi en compagnie de nos programmes. Au revoir.